Ouais, fais voir ce truc là. Alors, les destinations vacances de vos rêves. Ouais. Hein? Méditerranée. Non, bah, tout le monde y va l'été, Méditerranée. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Me baigner dans la crème à bronzer des voisins, quoi. C'est n'importe quoi. La Nouvelle-Zélande, bah, il paraît qu'il faut apporter son propre oxygène à respirer parce qu'ils veulent pas qu'on pollue, vraiment. Non, c'est pas possible la Nouvelle-Zélande. Parce que la Bolivie. Est-ce que c'est très safe? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le coin? Le Pérou? Pérou? Oh! C'est le prix, ça? Waouh! Une autre fois, alors. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre un jeu qui va nous faire une ambiance Pérou. Comme ça, on va pas débourser un centime. Enfin, le prix du jeu. Et puis, on y croira, ce sera trop bien. Salut à vous, les amis! Vous aussi, vous êtes partis en vacances? Enfin, vous êtes partis en vacances. Parce que le aussi, il est de trop, moi, je suis encore là. Oui, Summer TBG, tout l'été, au moins un stream par semaine, c'est pas beau l'adversité. Et en plus, il y a la rentrée qui se prépare, plein de choses. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans un shmup qui s'appelle le Pawarumi, et qui va vous dire quelque chose, puisque je l'ai déjà streamé. Mais alors, pourquoi je le restream? Bah, tout simplement parce qu'il est sorti il y a un petit peu plus d'un an, et puis qu'on n'en a pas trop parlé entre-temps, bien que le jeu était tout à fait correct. Et du coup, bah, il nous fait le plaisir aujourd'hui de sortir pour les possesseurs de Switch et de Xbox One. Et du coup, c'est une belle occasion bah, d'en recoser un petit peu. Donc, je vous invite à venir éventuellement re-explorer Pawarumi pour voir ses petites particularités, parce que c'est quand même un shmup qui est un peu à part. Il y a du boulot de réflexion pendant le déroulé de la partie. Et d'ailleurs, je préviens tout de suite, je vais peut-être pas beaucoup parler pendant le déroulé de ce jeu, puisque il mobilise énormément le cerveau. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il utilise un système de switch de tir qui va vous permettre deux choses très importantes. La première, bah, ça va être de reconstruire votre bouclier d'énergie au fil de la partie, parce que vous faites toucher trois fois votre bouclier et entamer assez pour être naze. Donc il va falloir le remonter. Et puis d'un autre côté, vous remarquerez qu'il y a des ennemis un petit peu plus retors que la moyenne. Et en fait, en faisant certaines combinaisons de couleurs entre la couleur des ennemis et vos tirs opposés, vous allez pouvoir leur faire plus de dégâts. Donc vous voyez que, mine de rien, un shmup, c'est brutal, mais il va falloir réfléchir. Il y a une autre petite chose que j'ai pas annoncée non plus, mais les gens qui suivent le Twitter sont au courant depuis une semaine quasiment, c'est les résultats du concours, puisque oui, l'éditeur fait gagner un jeu Pawarumi aujourd'hui, et on aura le résultat à la toute fin de l'émission. Donc, le petit gars qui a, ou la petite gonzesse qui a une Xbox One va sûrement guetter son nom. Et je vous invite à bien suivre, puisque, oui, je fais comme les vraies émissions de TF1, je mets le résultat à la fin pour être sûr que tout le monde va suivre. Allez, fini les conneries, fini l'intro, on file dans Pawarumi. Où c'est que je l'ai rangé? C'est un peu le bordel, hein, c'est l'été, j'ai un peu mis le bronze sur ma machine. Ouh, on t'entend, toi. Ouh, on te voit, toi. Alors, autre particularité pour les gens qui débarqueraient, qui auraient complètement raté ce titre à sa sortie, c'est que Pawarumi, il est tout en 3D. Donc, au début, ça fait un petit peu bizarre. On dit, oh, c'est encore un de ces trucs, sans caractère en 3D. Vous allez voir le caractère s'il n'y est pas. Alors, pour jouer et pouvoir vous parler un petit peu en même temps, je vais le mettre en mode fastoche. Comme ça me permettra de vous réexpliquer le gameplay. Et puis on va essayer d'aller jusqu'au deuxième, voire troisième boss, allez, soyons optimistes. Je vous remonte un petit poil le son. Alors, j'aurais pu vous faire une intro Enfant du Soleil, mais je pense que tout le monde l'a fait, donc je vais éviter. Vous allez voir que bah, c'est assez particulier comme mélange, puisque c'est le futur avec les mondes plus ou moins Inca péruviens,
et que cette histoire de couleur, vous allez voir, donc j'ai trois boutons de tir, un vert, un bleu, un rouge. Quand je tire sur un ennemi de la même couleur que mon tir, je recharge mon bouclier. Quand je tire sur un ennemi d'une couleur différente, il y a des chances que je lui fasse plus de dégâts, mais ça c'est à moi de savoir quelle couleur correspond à quelle anti-couleur quelque part. Donc en bas à gauche, vous voyez ma jauge de bouclier vitale si je veux avancer. Et à droite, ma jauge de spécial qui en plus se recharge quand je tire avec une couleur opposée sur un ennemi. Un bonheur de venant jamais seul. J'ai bien entendu un super tir en cas de panique totale. Et il faudrait que je me baisse les retours parce que chez moi ils sont très très forts. Ça va pas du tout. Vite. C'était moins une. Oui, vous avez entendu le Graal claquer. Le Graal. La source de toutes les nourritures de The Big Game Oski. Alors, le premier niveau est gentil, parce que c'est le temps de se faire un peu la main, hein, de bien assimiler ces histoires de couleurs, bien qu'il y ait un tutoriel complet dédié à ça. Vous allez voir qu'au deuxième niveau, ça a commencé à se compliquer un petit peu, puisque le jeu s'est dit, le gars est supposé connaître les subtilités du changement de tir, donc maintenant on va commencer à vraiment jouer. Alors du coup, ça fait que vous pouvez avoir un jeu qui est à votre image, c'est-à-dire quelque chose de très offensif, vous défoncez tout le monde, ou au contraire, comme moi je le fais plutôt, c'est quelque chose de très passif sur la protection, où je prends grand soin de garder mon bouclier rechargé pour les moments où ça va être dramatiquement chargé en boulettes à l'écran. Et donc ça explique pourquoi on peut pas trop parler pendant le stream de ce jeu en général. Parce qu'on est là, mine de rien, notre cerveau préhistorique, le petit ton que je pourrais utiliser pour fabriquer des phrases et vous les dire, j'en ai besoin pour analyser la couleur qui arrive en face de moi et savoir quelle couleur j'ai réellement envie de lui mettre dans la tronche. Mon bouclier est plein, donc tout va bien. Maintenant je peux jouer un petit peu à la Nawak. Alors faut savoir que la jauge de spécial, je peux la recharger jusqu'à 3 niveaux supplémentaires, je crois. Ce qui fait que ça me peut me faire en réserve 3 bombes, en théorie. Attention la musique. Tu aimes le métal péruvien? C'est parti. Oui, totale maîtrise. Enfin, plus que de la maîtrise, c'était plutôt le niveau tutoriel, on va dire. Soyons honnêtes. Mais maintenant, ça va vraiment, vraiment se compliquer, donc je vais arrêter de parler. Et j'espère que tout va bien se passer.
Merde, je me suis trompé de bouton. Mais il y a que trois couleurs quand même, ça va, c'est pas la mort. Ah, mais qui c'est? Bah, Daniel. Daniel, le papa? Exactement, ouais, c'est ça. Le papa de Powerumi est avec nous. Bah, c'est incroyable. Bah, justement, tu vas pouvoir m'expliquer deux, trois choses sur ton jeu, parce que c'est vrai que je dois admettre que mon pauvre cerveau néandertal ne comprend pas tout, des fois. Et du coup, bah, Powerumi, c'est un jeu qui est un petit peu moderne dans son aspect de shmup par rapport aux autres. Donc, un an et demi après son lancement, les retours, ça en est où? Bah, les retours de gens, ça va, c'est plutôt cool quand même. Le système de couleurs qu'on a toujours autant de mal à expliquer, il est plutôt apprécié des joueurs en général. Quand on le montre encore sur des salons et tout, ça se passe bien. Et il y en a qui sont hyper enthousiastes sur le truc, ça c'est rigolo. À quel point ils le sont, quoi. Et par contre, bon, voilà, on a pas foiré notre com au niveau de la sortie, donc depuis, les ventes n'ont jamais décollé, ça c'est dommage. C'est succès plutôt critique et pas commercial. D'accord. Donc tu dis qu'il y a des fans hardcore du switch d'armes pendant une partie. Ça, ça a ses fans. Ah mais carrément, ouais, parce que côté tactique et tout, c'est différent. Donc ça change du... J'ai pas envie de dire du shoot, tu fais que tirer, parce qu'il y a toujours des mécaniques un peu complexes et tout. Enfin, des systèmes de score, des trucs comme ça. Mais là, tu t'es jeté dedans immédiatement, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des modifs, en fait, qui ont été apportés au gameplay depuis que le jeu est sorti sur Steam? Non, sur Steam, il y a des petites mises à jour, des petites corrections, je sais même plus ce que c'est, mais il faudrait regarder les changelogs vraiment complets à chaque mise à jour. Et c'est vraiment des modifications mineures, des corrections de bugs pour gérer des manettes, des trucs comme ça, quoi. Vu que sur PC, il y a ce genre de petites problématiques, mais sinon, le jeu est... c'était vraiment une des volontés qu'on avait, on voulait garder l'expérience arcade jusqu'au bout, même si c'est pas un jeu d'arcade, enfin, il n'est pas sur une borne, quoi. Mais on voulait vraiment que le jeu, quand on le sorte donc officiellement après l'Early Access, on n'y touche plus pour que les scores sur le leaderboard soient valides pour toujours. Et si on se met à changer quelque chose dans le jeu, bah, on n'est pas obligé de redémarrer le leaderboard et d'effacer tous les scores de tout le monde. D'accord, donc il n'y a eu aucun changement, si ce n'est les petites corrections de bugs, mais le gameplay, lui, il n'a pas branché depuis le lancement. Je me suis tâté à modifier... les possibilités de milk du jeu, c'est une demande que j'avais de certains joueurs. Et au final, j'ai laissé tel quel, parce que je me suis dit, un truc, c'est sur Tuyami, je crois, qui demandait ça. Et en fait, quand on voit le score qu'il a uploadé, qui est donc son record, qui est le record mondial en mode normal, il milk beaucoup. Mais quand on regarde le run qu'il a fait à la PAX en live, et donc en public, donc il a pas milké, donc c'était en public, ça allait être chiant pour lui. Il a quasiment fait le même score, et en fait, il y a encore beaucoup de possibilités d'exploiter ce système de scoring. Et donc, il y a moyen de scorer plus sans milker, en fait. Donc, au final, je me suis dit, si tu milks, c'est un choix à toi, et donc à ce moment-là, je vais rester le cas. Mais est-ce que tu aurais une recommandation à faire pour les gens qui ont envie, en voyant ce record, par exemple, d'essayer d'aller le taquiner? Parce que moi, je sais que quand j'aborde le jeu, perso, moi, j'ai une manière très défensive de l'aborder. C'est-à-dire, je fais tout le temps gaffe à ce que mon shield soit à fond, d'abord. Et puis après, éventuellement, oui. Je règle le compte des gens qui sont sur l'écran. J'ai mis une page dans le mode d'emploi qui est sur Steam. Et il y a deux, trois explications sur le forum de Steam, sur le forum shmup américain. Mais le principe global, c'est de... Enfin, si je réexplique le système de score, quoi. Terminer les ennemis en faisant du crush, donc le truc qui fait le max de dégâts, c'est ce qui rapporte le plus de points de base. Ensuite, utiliser son attaque spéciale régulièrement, quand même, parce que quand il y a beaucoup d'ennemis ou quand il y a des très gros ennemis à l'écran, genre les boss, en se positionnant bien à l'écran, il y a moyen de monter le combo quand même très très haut. Une fois, je l'ai fait monter à plus de 1000. Ça, d'ailleurs, je me demande si c'est pas un petit bug pour la version console en fait. Parce que vu que j'ai recodé des trucs pour optimiser le jeu, quand même, là il va y avoir un mélange sur Steam aussi. Pour qui que ce soit qui joue avec un vieux PC, ça. Ça accélère pas mal. Maintenant, je joue sans problème sur un Mac qui est plus puissant. Et donc, ouais, peut-être que j'ai changé un peu le truc. Faudrait que j'essaye de faire la même chose sur une ancienne version du jeu. Ou alors, je vais essayer. Mais j'ai fait monter à 1000, ouais. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier truc qui permet vraiment d'aller chercher le reste du score, quoi, c'est de tout faire, en fait. Parce que j'ai fait en sorte que le système de scoring soit cumulable, j'ai envie de dire.
que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait terminer les ennemis en faisant des crushs. Mais en fait, ça veut dire qu'avant ça, on peut le taper avec n'importe quelle arme. Et il se trouve que si tu recharges ton attaque spéciale, ben, ça rapporte plus de points que si tu tapes avec l'arme qui fait plus de dégâts. Et si tu recharges ta vie, et donc ta stratégie en fait à toi, ça rapporte encore plus de points que quand tu recharges ta super. Donc une stratégie basique que tu peux déjà faire pour t'entraîner, qui rapporte un peu plus de points que la base, c'est de passer ta vie à recharger ton bouclier, mais juste avant que les ennemis crèvent. Donc ce sont des petits ennemis, forcément c'est dur à faire, mais encore au laser spécial. Mais donc voilà, juste avant qu'ils meurent, ben, tu changes d'arme pour celle qui fait plus de dégâts, et tu l'achèves en faisant une dégâts force explosion, quoi. Et là ça rapporte carrément plus. D'ailleurs, dans la mise à jour qu'il y aura sur Steam, j'ai rajouté une option, donc tu vois, j'ai pas changé le gameplay, mais par contre j'ai rajouté des options. Et donc maintenant, en allant dans les options du jeu, il y a une option afficher les points, et en fait ça te montre les points que t'as rapporté à un ennemi, quelle que soit la façon dont t'as fait les points, quoi. Ça t'affiche le score au-dessus de l'ennemi qui s'envole vers le score du joueur. D'accord. Bah, du coup, on n'a pas fini de voir les gens pianoter pour swapper les tirs. Ah ouais, des méga pianos. Ouais. Est-ce que aujourd'hui c'est un grand jour, on est le 24, donc on a des nouvelles versions de nouveaux matériels qui sortent, notamment bah, la Switch et la Xbox One. Est-ce qu'il y a des particularités sur ces versions-là que tu as amenées? Alors, outre les petits détails que j'ai améliorés sur les performances, forcément pour la Switch il fallait beaucoup optimiser quoi. Il y a tous les trucs particuliers aux consoles et je suis allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que bon sur Xbox, bah. Ça enregistre automatiquement quand tu fais ton meilleur combo, quand tu fais un combo encore meilleur que ton précédent, ça t'enregistre automatiquement une vidéo de ton combo et ça enregistre automatiquement la première fois que tu bats les boss en fait, donc comme ça tu peux les partager et taper des dés. Et puis sur les achievements, j'ai fait des images super grand format parce que ça servait comme fond d'écran et tout, donc tu fais des trucs un peu classe. Et sur Switch donc, il n'y a pas d'achievement ou de vidéo automatique comme ça, on peut pas faire ça sur Switch. Par contre, j'ai rajouté un vaisseau exclusif que je peux faire sur aucune autre console que la Switch parce qu'en fait, comme les manettes, les Joy-Con envoient leur couleur à la console, bah du coup j'ai créé un vaisseau qui est de la couleur des Joy-Con. Donc ça prend, je crois, la couleur du Joy-Con de gauche pour colorier l'essentiel du vaisseau et la couleur de droite pour faire tous les highlights dessus et faire un vaisseau un peu classe. Quelle que soit la couleur. D'accord. Et son propre vaisseau, en fait. Juste en changeant de Joy-Con. Ok. Donc cette version, bah, elle sort aujourd'hui, que ce soit sur Xbox One ou sur Switch. Et toi, du coup, tu es sans doute en mode je vais faire de nouveaux projets, non? Oui, je suis plutôt en mode vacances, en fait, parce que ça fait 3 ans. Oui, quand même. Et ça fait. J'ai essayé de prendre des vacances avant, mais j'ai pas pu. Bon après Power Rumi en fait c'est pas complètement fini parce qu'il y a encore la version PS4 qu'il faut que je chapote à côté, c'est pas moi qui l'a fait mais j'ai quand même du boulot dessus, puis je leur fais un coup de main aussi, ça arrive un peu. Vu que c'est la première fois qu'ils font un portage de jeu console, il y a pas mal de trucs, on t'a assez des potes, mais voilà ça va sortir dans le courant de l'année je pense. Et faut aussi que je bosse un petit peu, parce que même si c'est pas moi qui distribue ça, mais il y a la version en boîte sur Switch qui arrivera un peu plus tard. D'accord, il y a une version matérialisée sur Switch qui arrive aussi alors. Il y a un truc avec un distributeur, on l'a signé il y a longtemps en fait, ça fait plus d'un an qu'on l'a signé le truc. Mais donc c'est carrément prévu quoi, et donc bah, il va falloir sûrement que je leur file des trucs, des vidéos, des images, enfin je leur ai déjà fait des trucs en fait. Et détail, le jeu sur Switch je l'ai bloqué à 30 fps, même si j'ai bossé comme un taré pour qu'il tourne à 60. J'étais pas loin de l'avoir à 60, mais j'étais bloqué par un truc dans Unity sur lequel je pouvais rien faire en fait. Et du coup j'ai espoir quand même de sortir un patch à 60 et du coup la version boîte. Et donc une fois que j'ai fini de bosser et qu'apparemment ça se termine jamais et que j'ai des vacances, là peut-être je ferai d'autres trucs, mais pour l'instant je sais rien à part que moi personnellement je vais filer un coup de main aux copains de Novavox, on travaille dans les mêmes locaux, qui font des jeux d'aventure, c'est pas des visual novels, enfin c'est le nom en japonais c'est ça, mais c'est un petit peu différent de visual novels, mais c'est de la BD interactive en gros. Et je vais leur filer un coup de main pour faire des versions sur console, ça, et peut-être sur un prochain jeu, si je sais pas. Et nouveau shmup, pas nouveau shmup, plus pas du tout, ça va dépendre tellement de trucs que déjà, il faudrait que je trouve de l'argent. On en est tous là.
Donc tu n'as pas de petit projet que tu as fait dans un bloc-notes à la con dans un coin. Bon, c'est dommage. C'est dommage ce qui manque. Ouais. Le pognon. Le pognon et la team, hein, parce que c'est dur de bosser tout seul. Tu l'as sorti tout seul, PowerMe? Un PowerMe, on était trois au début. Enfin, on était trois essentiellement dans la team, plus un musicien en externe. Il y a un membre qui est parti au bout d'un an et demi, donc on l'a terminé à deux. Par contre, depuis un an et demi que je m'occupe de tout, il n'y a que moi. D'accord. Parce que c'est quand même un sacré boulot entre... Il y a la programmation, tout le monde voit la programmation en général, mais on oublie qu'en fait, il y a tout le reste, c'est-à-dire le visuel, l'audio... J'ai fait un petit patch parce que j'ai découvert un petit bug au Stunfest. Un joueur qui me fait, mais tiens, au niveau 3, je perds 6 millions de points. Non, 8 millions de points, qu'est-ce que tu me racontes ? C'était un petit bug sur l'affichage du score, donc j'ai dû faire un patch sur Switch et Xbox, là, qui sera déjà inclus de base quand vous téléchargerez le jeu aujourd'hui. Hein. Mais en fait, ça doit bien faire un mois ou deux, peut-être trois, que je programme plus du tout parce que le jeu il est juste prêt quoi. Et donc en fait, je fais que de la com, je fais des vidéos, des images, des... tout. C'est un boulot infâme. Mais c'est nécessaire, le mal nécessaire comme on l'appelle. Ouais, du coup, j'espère que cette sortie console cartonnera mieux que notre sortie Steam quoi. Ah bah on va souhaiter bonne chance au titre effectivement pour ce lancement sur la Nintendo et puis sur la console de Microsoft, puisque c'est quand même vraiment sympa qu'un titre qui a démarré quand même sur Steam en arrive à aboutir sur des grosses machines à grosse distribution. Non, on n'y croyait vraiment pas au début en fait, on s'était dit tiens on va faire un shoot sur PC, sur mobile parce qu'on peut sortir, alors mobile on a vite fait abandonner le truc parce que c'est horrible les modèles économiques sur mobile et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait aucune chance de faire des thunes là-dessus. Ah, c'est étrange, c'est bizarre ça, parce que c'est quelque chose où on se dirait, au contraire, justement, c'est peut-être plus facile de sortir une adaptation vers le mobile que vers les consoles, non? Alors, d'un point de vue technique, non, ce serait encore plus de boulot d'optimisation pour la Switch, je pense. Par contre, c'est pas du tout la technique le problème, parce que ça, vu qu'on le prévoyait depuis le début, à la base, bah, du coup, on aurait fait en sorte que ça passe nickel sur les mobiles. Non, le problème, c'est pas du tout la technique. Le problème, c'est purement d'un point de vue marketing. Le fait que la plupart des jeux soient gratuits, qu'il faut faire des espèces de pay-to-win pour s'en sortir. Et puis alors, il faut mettre trois quarts de son budget dans de la com, sinon on n'a aucune chance de faire un gros. Quoi. Et comme on n'avait pas de budget, tout ce qu'on avait, c'était du temps et de l'énergie, bah, c'était mort, quoi. En tout cas, t'es pas venu les mains vides. Tu nous as laissé un exemplaire Xbox One à gagner de PowerMe. Et j'annoncerai à la fin de ce tableau le ou la gagnante de ce titre. Merci à toi, Daniel, d'être passé. Ah, c'était un plaisir. Puis j'espère que le gagnant aura le jeu aussi. Non, il y a aucune raison qu'il ne l'aime pas, parce que sinon, ça va barder. À tout bientôt. Plus. Merci. Alors le truc marrant, quand vous balancez un concours en pleine période estivale, c'est qu'il y a de fortes probabilités que votre concours ne soit pas du tout vu. Et c'est ce qui s'est passé, je dois admettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser cet exemplaire à gagner de PowerMe. Bah, pour les gens qui visiteront cette vidéo, vous avez jusqu'au 26 août 2019 pour poser un petit commentaire. Et puis, du coup, vous inscrire pour le tirage au sort qui vous permettra de gagner votre exemplaire sur Xbox One. C'est juste en dessous, je vous laisse faire. Moi, je m'en vais aussi en vacances. Ciao. Résultat, le 26 août. Ciao.